Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Heart of Iron 4. Et on continue avec l'Inde. Voilà, oui, tout simplement, on continue notre partie avec l'Inde. Une excellente partie, je vais pas vous mentir, c'est l'une de mes meilleures parties sur le jeu Heart of Iron. Je suis très content, j'ai un poil compris un petit peu le jeu, donc ça fait plaisir. Alors, nous avons déjà notre première bombe nucléaire et on va pouvoir développer un petit peu tout ce qu'on doit faire, tout simplement. Voilà, on a plein de choses. Unity and Nation. Oh, yeah. Ça peut vraiment être une bonne chose. En plus, on va avoir des avantages au niveau de des divisions. On va le mettre à 4, ça va être pas mal. Donc, on a un peu plus de militaires. Civilization Factory in use. Ah oui, d'accord. Ah oui. Eh bien, on va construire un poil plus de bases militaires. Enfin, de construction militaire. Voilà. Voilà, on va faire ça. On va créer un peu plus d'unités militaires. Comme ça, on aura un poil plus de Militaro Factories. Et la Militaro Factories, vous le savez, c'est très important. Bon, on a du MBT ici. On a maintenant beaucoup de points d'expérience. Ce qui va nous permettre... D'abord, il faut voir qu'est-ce qu'on n'a pas assez. Light Mechanize. La Mechanize ici. La Light... pourrait commencer à faire des avions. Ça peut vraiment être intéressant. On a des corvettes. Ah, on a des frégates ici. On pourrait le changer, en effet. Bah non. Donc, on est en train de créer des drones. On pourrait faire ce genre d'avion. Les multicordes. C'est des Mirage 2000. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Allô? Merci. Donc voilà, on pourrait en mettre... ici, il y en a combien? Il y en a 5. On pourrait en mettre... Allez, on va en mettre 5 ici aussi, ça va être pas mal. 5, ouais. Bon, pour le moment, on va laisser comme ça. Alors, je vous rappelle que notre priorité aussi, c'est le tungstène, parce qu'on en a vraiment... le tungstène, mais aussi l'aluminium, parce qu'on n'en a vraiment pas assez. C'est pour cela qu'on se rapproche... évidemment, de la Thaïlande et du Vietnam, parce que le Vietnam a énormément de tungstène et c'est vraiment la priorité absolue, c'est le tungstène. Par contre, mon parti fasciste, il est en train de baisser. Hein. Ça me fait un poil peur. Ah non, il augmente. Non, il baisse. Putain, pourquoi il baisse? Parfois il baisse pas. Ah, on peut pas aller plus loin que 60%. Ah, parce que j'ai un truc. Qu'est-ce que c'est le truc qui fait que ça ne marche pas? On va voir. Delitian due to change on other parties. Ah, ok. Peut-être que c'est là-dessus. J'en ai... Ah, Pass of the Order. Drift Monarchy, Drift of Fascism. Ok, d'accord, j'ai compris. Bon, ici, on pourra pas faire d'autre chose. On pourrait, pourquoi pas, faire de la navale. Mais bon, pour le moment, c'est pas notre intérêt. On va pas faire que de la navale. On va un petit peu améliorer nos divisions. Ça va être très important. Donc, l'infanterie division. Il faudrait qu'on soit à poil plus élevé en infanterie. Donc, on va mettre ça. Il faut qu'on soit à 40. Donc on pourrait mettre... en plus on fait de la light mechanize. Mais est-ce qu'on fait de la mechanized infanterie? Je pense que oui, on est en train d'en produire. Mobile bataillon. On va faire de la mechanized. Hop.
On va voir ça au niveau ici. Ah oui, d'accord. Ah! Ça fait mal! Ça fait mal d'un coup. Putain, moins 17 000! Waouh! Ça fait mal. Où est-ce qu'elle est, ma mechanize? Je crois que c'est pas ça, ma mechanize. Ma mechanize, c'est ça. Mechanized. On va voir comment c'est. Ouais, c'est ça. Donc ça, on n'en a plus forcément besoin. C'est surtout la mechanize d'en bas qu'il faut. Plus zéro. On va regarder un petit peu les chiffres de la mechanize. Ah mais non, moi j'ai que du MBT, j'ai même pas de mechanize. Oh, j'en produis même pas quoi, d'accord. Ah d'accord! Mais c'est les tanks que je suis. Oh, que je suis bête. C'était les tanks. Bon, on va baisser ça. Hein. Excusez-moi, mais là, j'en ai besoin énormément. C'est de faire de la mechanize. Parce que j'ai changé mes troupes en infanterie. Ah, c'est compliqué ça d'un coup. Bon, on va essayer. Hein. Bien sûr, c'est pas un problème. Franchement, non, c'est pas grave. Une civilisation factory, une building, infrastructure, add, Pondichéry, Madras. Monthly population, factory repair speed. Oh, c'est pas mal ça. On va rechercher ça pour le moment. Oui, vous allez dire, mais c'est pas la priorité, Francie. Mais écoutez. Écoutez, pour moi, c'est une priorité de rechercher ce truc. Ah! Ah oui, là, il est inutile de faire la guerre. Surtout face aux Thaïlandais. Ok, bon, on a de quoi avoir des troupes aériennes. Pour le moment, on attend un peu. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'en fait, on a vraiment un déficit chronique en hein, mechanized. Et c'est vraiment un gros problème d'avoir ce. Pourquoi j'ai pas assez de tungstène encore? Bon, on va sacrifier une usine civile. Hein. Ça me fait chier de renforcer quand même le Qatar, sachant que c'est ma priorité pour pouvoir les détruire. La République of China. Ah ouais, d'accord. Donc entre 1 et 361, ça va être compliqué de savoir. La Chine, même pas, mais j'aime beaucoup les. D'accord, pourquoi pas. On va faire quoi? On va améliorer nos relations. Ça peut vraiment être pas mal. Voilà, on va améliorer nos relations. De toute façon, on ne peut plus rien construire. Au niveau de la mechanized, on peut pour le moment rien faire. Il faut attendre que ça augmente un peu plus. Donc, on sera bien. Ne vous en faites pas. Ça va bien se faire. Ça va bien descendre dans 19 000 jours. Ne vous en faites pas. Ça va aller beaucoup plus vite. Ça, ce n'est pas un problème. Au moins, on aura du stock un peu partout, que ce soit dans le motorized, etc., etc. Donc, ça, c'est pas un problème. J'attends que le modernité, il est bon. D'accord. Donc, on va enlever. Hop. Je crois que c'est ici où il a tout donné. Il a tout donné où? Ouais. Toi, tu vas attendre un peu. Voilà. Comme ça, on va le basculer vers moderne tank. Donc là, si je dis pas de bêtises, on en a 15. Donc ça, c'est pas mal. Tac, 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 tac. Ok. Bon, après le mécanaï, ça va aller un poil plus vite. Ça, c'est pas un problème. En fait, c'est par rapport à la production, à l'efficacité de production. Voilà. Qui fait que d'augmenter. Bon, 0,504 par jour. Mais ça augmente. Et c'est ça qui est très important. C'est ça qui
prouve que ça augmente. C'est pour ça que ça augmente un poil plus vite. Bah aussi parce que j'ai mis plus d'usines civiles, c'est vrai. Mais voilà, y a des choses comme ça qui font que, voilà, c'est intéressant. On pourrait créer des forts. Voilà, on va commencer à faire des forts côtiers surtout. Ça va être très très important. On sait jamais si on va se faire envahir navalement. Il nous faudrait ceci. Voilà, plein de forts côtiers. Parce que les côtes sont importantes. Est-ce que j'ai augmenté... ça lag un peu. C'est pas grave. Est-ce que j'ai déjà augmenté au niveau... Ouais, où est-ce que c'est? Au niveau de toutes mes infrastructures. Non, pas encore. Ah, bah ici, par exemple. En plus, on va avoir plus de tungstène, ça c'est pas mal. Ici, on va avoir plus de caoutchouc. On va augmenter ici, on ne sait jamais. Voilà, ça va être important, hein. Tout ça c'est important. Donc il faut le penser. Moi j'ai tout mis à 10, comme ça c'est bon. J'aurai pas de soucis à se faire. Il faut penser à venir. Donc hop, on va aussi le faire là. Ah ouais, c'est chiant, mais c'est important de protéger nos côtes. Pour moi, c'est la base. Voilà, on crée, on crée. Ah mais en vrai, je pourrais faire. Ah ben voilà, ça c'est pas mal. On découvre des choses en même temps. Voilà, tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Attention, on va un peu par là. Le Bangladesh pour le moment, il n'y a pas de problème. Putain, par contre, on a énormément de côtes maritimes, donc heureusement que je les protège. Ici, ça va être important de les protéger. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un... Ah oui, j'ai plus du tout de manpower. Oh! What? J'en ai que 80. Ah ouais, d'accord, en plus, mon fascisme, il descend à mort. On va augmenter un peu, hein, parce que là... Parce que là, on en a vraiment besoin au niveau du manpower. C'est très compliqué. Bon. Au niveau de la logistique, tout se passe comme il faut. Pour le moment, tout ça augmente. C'est une très bonne chose. Le Pakistan, ils ont quelques problèmes d'organisation. Au niveau de mes MBT et tout. Alors, on pourrait aussi augmenter au niveau des engineers. Déjà, ça, je voudrais plus. On pourrait faire quelques infanteries. Voilà, on va mettre de l'infanterie comme ça. Tout simplement. Hop, on va mettre de l'infanterie. 18. On va mettre. Alors, moi, j'aime bien mettre. Pourquoi pas un support d'artillerie. Ça peut vraiment être pas mal. Une clé de reconnaissance. Et on va mettre police militaire parce que ça va être surtout eux en fait qui vont jouer la police militaire. Voilà, au moins tout ça c'est fait. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Land Knight. On va rechercher ça. Ouais, c'est normal que ça prenne un peu plus. C'est pas grave. On est bon. Alors ici c'est fait, cette organisation est terminée. On va prendre du support artillerie ici. Dans Reconnaissance. Engineer Company. On va prendre seulement ça va être bien ça. Par contre on a quand même 51 de combat, donc on va remove. Un poil pour qu'on baisse à... Il faudrait qu'on soit à 40 en fait. On va laisser à 41. Voilà, ça va être pas mal comme ça. On va avoir un peu plus d'artillerie. Enfin, d'infanterie maintenant. C'est pas mal ça. Comment ça, ça a rebougé? J'ai rien touché, hein, messieurs. Pourquoi ça a bougé? Je ne comprends pas.
Bah là, oui, là, t'en as gagné des unités. Bah oui, ça c'est sûr. Comment ça, la mécanise, je perds moins 2,5. Je comprends pas. Ah! Ah, peut-être parce que j'ai changé le truc, donc ça a peut-être dit. Bah, il faut changer les machins. Pourquoi pas? Ça peut être dû à ça, en effet. Bon, on va développer un petit peu tout ça. Donc, pour le moment, voilà. Alors, lui. Ah, ouais, parce qu'il y a au même temps, il faut le renforcement. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les upgrades. Manpower. Upgrade. Main painter tank. Ok. Donc on va mettre ça en priorité absolue. Par contre, on a une putain de stabilité, c'est incroyable. Mais mon fascisme est à 50%. Ça me fait extrêmement peur. Hein. Je vais pas vous montrer les popularity. Est-ce que ça va changer par rapport à ça? Je ne sais pas. Ah, ça me ferait chier de perdre de la stabilité. Ah bon, on va en gagner ici. Gagnons de la stabilité. Donc les taxes sont au low. Factory output. Ah, ça peut vraiment être pas mal. On va prendre ça, allez hop, on va le mettre en moyen. On pourrait le mettre en free trade. Mais par contre, c'est 80% de mon truc qui part. Factory output. On va le mettre en limited. Voilà, comme ça, on aura un poil plus de tungstène, d'aluminium. Voilà, par exemple, ici, on n'en a pas besoin d'en prendre trop. Là aussi, on peut baisser. Hop, ça pourrait éviter qu'on dépense trop. Comme ça, on va garder un petit peu nos propres ressources. Donc, on va augmenter aussi la police militaire. Il y a tout ça qu'il faut améliorer. On fait des bombes nucléaires. C'est bien de faire des bombes nucléaires, mais il faut aussi pouvoir les améliorer. Et il faut qu'on améliore aussi nos airbases. Donc ici, par exemple, on en a. Là aussi, on en a une. Ici, on en a une. Ici, on en a une aussi. Là aussi, on en a une. On pourrait faire shift, hein. Je sais que je peux faire shift. Voilà, mais c'est important ce genre de choses. Après, on pourrait aussi améliorer nos bases maritimes, hein. Bon, là, il y en a une. On va l'augmenter. Là aussi, il y en a une. Là aussi. Là aussi, on en a une. Et ici, on pourrait l'améliorer, par exemple. Là. Ouais, ça peut être pas mal. On en a trois là. On en a deux ici. 6. 6. Ah, attention, il y a un truc ici qui nous appartient d'ailleurs. Ah, ben d'accord, on l'a déjà fait. Ok, c'est pas mal. On pourrait mettre un peu plus de radar aussi. Ça peut être pas mal. Ouais, on va en mettre un peu partout là, sur toute la côte. Tac, tac, tac. Tac, tac. Toutes les côtes, voilà, hop. Bon, ça sert un peu à rien, peut-être. Vous allez dire ça un peu abusé, Francis, mais c'est pas grave. Ici, c'est important aussi. Voilà. Bon, au moins là, les usines civiles, ils ont du boulot. Hein, ils vont pas dire, on n'a rien à travailler, on n'a rien à faire. Non, là, ils ont du boulot. Ils ont des choses à faire. Pendant que ce magnifique mechanized baisse, qu'on pourra pouvoir attaquer le Laos, la Thaïlande, etc., etc. Social-libéral, d'accord. Fascisme est à 50% encore. Hein. Putain, il dire qu'on était à 60. Non, on est à 50%. Il faudrait vraiment qu'on change le Path of Order. Le problème, c'est qu'on peut pas le changer.
Mais qu'est-ce qui me bloque en fait pour que je sois pas à 50, à plus de 100? Je sais pas, hein. Franchement, je ne sais pas. Ah, je pourrais les rendre indépendants. Mais ce n'est pas mon objectif, c'est de les garder, c'est très important. Bon, on va pouvoir commencer à s'intéresser un peu à la Thaïlande. D'ailleurs, la Thaïlande ne fait pas partie de... Non, elle ne fait pas partie. Est-ce que le Vietnam fait partie? Non. Encore une fois, non. Eux, c'est quoi? Ils ont quoi? Ils ont un peu de fascisme. Hein. C'est pour ça. On va pouvoir s'intéresser un peu à la Thaïlande. Alors, moi, je voudrais bien ce qu'on va faire avec la Thaïlande, surtout. Déjà, on va leur couper la main. On va leur couper ici. Ça va être important. On va leur couper. Et il y aura une partie de mes militaires qui vont aller vers le sud. Parce que déjà, regardez, il y a déjà 10 infanteries, 3 artilleries, 3... pas Mekenai, mais 3 infanteries, 3 divisions de trucs mobiles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et... Des tanks. Donc déjà ici on en a 10, 3, 6, 16 et ça fait 17. Déjà on a 17 ici d'unités qu'on pourrait directement détruire. Et ça c'est vraiment une très très bonne chose et une excellente chose. Parce que vous le savez, il faut détruire nos adversaires coûte que coûte. Il faut avoir une stratégie. On va placer en même temps nos infanteries de montagne. Plutôt par là. Alors on va faire pas. Je voudrais bien le faire tout le long parce qu'il y a un peu de montagne. Mais on va le mettre par là. Voilà. Mais surtout ici. Parce que ici, il y a beaucoup de montagnes. On est vraiment sur des hautes plateformes. Et ici, en plus, ils ont même pas mis de machin. Donc on pourrait directement aller à Bangkok. Déjà, on va casser ici. Comme je vous l'ai dit. Donc il faudrait qu'on le casse là. Voilà. Ici, il faudrait qu'on attaque par là. Et après, ici, on va s'occuper et paf, on ira vers le bas. Et de toute façon, ils ont des ports ou pas en bas? Ouais, ils ont un port ici. Donc ils pourront se ravitailler par ce port. Ça, c'est pas bien. C'est pas trop une bonne chose. Bon, c'est pas grave. Non, ça, c'est pas très grave, hein, c'est pas grave. On va quand même essayer de faire tout ça. Alors, vous êtes de l'infanterie. Bon. On va vous mettre tout le long hein, de la bordure, c'est pas un problème. Pour le moment, mettez-vous tout le long. Alors vous êtes les montagnards, vous on va devoir vous modifier. Vous êtes les Amoureds. D'accord, donc vous allez aussi vous placer. Et vous êtes toujours pas entraîné. Ah mais vous êtes la nouvelle infanterie division. Attendez, quoi? Cela, c'est... Toi, t'es un bleu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Même vous, vous avez ça? Ah oui, parce que c'est vrai, je vous ai divisé par deux. Oui, c'est vrai. C'est vous qui êtes les nouveaux. Bon, pour le moment, MBT, ça va aller un poil plus vite, hein, c'est pas un problème ça. ah ouais, on a le mechanized est encore loin, donc ça va prendre du temps encore. Bascorp, va falloir augmenter en plus ce petit truc. Parce que on est bloqué à combien? 95%, on peut pas aller plus vite, plus loin. On est quand même à 65% ici, donc ça va être ça va être important. En plus, il faudra vraiment miser sur le mechanized. En tout cas, en artillerie et tout, on a tout en supérieur. On a énormément de drones. On est en train de créer des chasseurs, enfin des sortes de chasseurs. Ça, c'est une bonne chose. Bon, pour le moment, pas forcément de complexe. Donc, eux, ils sont déjà mis. Eux, ça va être... Ben pour le moment, eux, en fait, je vais pas forcément les utiliser. Hein. Pourquoi pas les utiliser contre la guerre du Bangladesh? Parce que, bien sûr, il faudra qu'on prenne le Bangladesh, parce que Bangladesh, c'est quand même stratégique. Ils sont là, ils sont présents, ils sont enclavés sur ma... Bah ben là, ils sont vraiment enclavés.
Donc voilà, il faudrait qu'on prenne aussi le Népal et le Bhoutan, voilà, pour avoir la Chine directement, pour avoir une frontière linéaire avec la Chine. Et pour le moment, ça va être à poil compliqué, puisqu'on n'a pas encore les ressources adéquates pour pouvoir le faire. D'ailleurs, ça prend du temps, hein. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque. Waiting for equipment to be producing and delivered. 4888 de mechanized. Putain, c'est énorme! Oh là là! C'est en train d'en produire, hein. C'est pas un problème, hein. Ne vous en faites pas. Mais j'ai pas envie de vous voyez d'attaquer sans avoir le mechanized parce que regardez, on est vraiment low. C'est pas vraiment une bonne chose, donc il faudra qu'on attende un peu. Donc ça c'est bien. Ça... Ah, ils vont enfin terminer ce truc. Ça va être une bonne chose. Tac. Attendez, ça le fait un par un ce truc? Ah ouais! Oh, mais ça va être super long en fait, je viens de comprendre. Je croyais que ça le faisait tout d'un coup. Ah! Bon, ça va être un poil compliqué là. Bon, en tout cas, on a énormément de civilisations. On a beaucoup d'usines civiles, c'est pas un problème. On commence à avoir un peu plus de d'usines militaires. Ah, ils mettent de plus en plus de trucs en dessous, hein. Incroyable. Eux, ils ont entre 39 et 113 militaires. Ils ont 12. Ah, 12 usines civiles. Et... Enfin, combien d'usines civiles? 20 à peu près? 20 à 33? Ils ont beaucoup d'usines. Enfin, ils ont quand même énormément d'usines militaires. Oh, ils ont énormément de marines. Oh! Et vraiment, c'est notre gros péché, c'est la navale. Attendez, non. Non, c'est là. Ah mince. C'est le nombre de bateaux qu'ils ont. En 24 et 32, ils ont 6. Ah, c'est pas mal. Moi, je le prends, les 6. Hein. Et on en a 84 de notre côté. Bon, c'est bien, ça en produit beaucoup. C'est pas un problème, ça. Simulation argue, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Décryption. Construction speed. On va pas faire ça pour le moment. Qu'est-ce que c'est la Crusader idéologie? Sam enjoy mostly opinion. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'augmente pas! C'est nul! Je me suis fait arnaquer! Il faudra faire améliorer ça aussi, mais pour le moment on va pas le faire. Oh, on pourrait améliorer ça. Oh, on aura plus d'efficacité. Oh, c'est génial ça, par exemple. Bon, là, ça devrait aller beaucoup plus vite. On en produit pas assez pour le moment pour donner à tous. Mais j'ai l'impression qu'il manque autre chose parce que c'est si bas. Non, il manque juste de la mechanized. Et tellement qu'ils ont besoin de mechanized, bah c'est super lourd. C'est incroyable. On pourrait améliorer nos tanks, hein, mais pour le moment, on va plutôt s'intéresser aux infanteries parce que c'est vraiment eux qui ont vraiment besoin. Donc bref, en tout cas, ben nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, ciao tout le monde!